Et bonjour à tous et à toutes, et c'est Puff the Dog. Aujourd'hui on se retrouve sur Elder Scrolls Online pour pouvoir faire quelques quêtes ensemble. Alors du coup bah là je suis à Fangombre, je suis vétéran 2, normalement bientôt vétéran 3 d'ailleurs. Ouais bon, il y a encore un petit bout de chemin à parcourir. Du coup ouais, je suis à Fangombre, Pacte de Caraben, et là je suis en train de faire les quêtes du journal, enfin de l'almanach de Cadwell. Donc un suivi de quête. Tout un suivi de quêtes par territoire. Du coup, bon bah, je suis haut elfe templier. Donc là, je suis dans une quête à côté de Fort Tempête, pour ceux qui connaissent. Ouais, donc c'est là-haut. Ok, donc je vais devoir explorer le temple. En fait. Comment je monte? Alors, quelle taille il fait ce temple? Bon, ça a l'air d'aller. Venez à moi, mortel. Très bien, je te parle. Lyrance. Trouver l'hôtel central. Hôtel central qui est à l'autre bout, évidemment. J'ai envie de vous dire. Salut toi. Ça a l'air d'être là. Que faites-vous? Cachez-vous avant que le domaine vous trouve. Bijou, il s'appelle. Croyez-moi, le domaine. Oh merde, j'ai accepté une quête. Oh boss, c'est pas grave, de toute façon ça va être sur le chemin du retour, donc c'est parfait. Bon, comment ça se passe là? Ah, ok. Non. Bah merde. Non, me dites pas qu'il faut faire ça pour pouvoir accéder à ça. Putain, on s'est fait couiller les gars. Bon, attendez, on y retourne alors. Y a pas le choix. Et on va devoir se retaper tout ça. Ils ont chié là. Crève.
J'essaie de faire vite pour pas me réavoir à me taper tous les mobs sur le chemin du retour encore une fois. Pire hommage qui crame par le feu. Normal. Allez, on fait vite. Allez les gars. Putain. Le dernier. Aïe 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 évidemment. Wow, on est chaud là. On est très très chaud même. Bon allez. Bon au pire je pense que si je dois si les mobs ont déjà repop, je vais tout prendre d'un coup. Je pense que je vais faire un gros aggro, y a moyen. Mais peut-être qu'il n'y a pas besoin. Eh si, ça a déjà repop là-bas. Et là. Bon au pire qu'ils viennent. Je vais les défoncer. Allez les gars, on y va. C'est parti. Ok, allez. Ma foi, ce fut plutôt rapide. Ah, voilà, d'accord. La quête s'est donc activée. Il l'ouvre. Un caveau. Putain, c'est flippant quand même. Détruire. Allez hop. Pas de pitié. Oh merde, je l'ai pas vu lui. Ah bah non, c'est bon, il est bon. Détruire. Et détruire, voilà. Une bonne chose de faite. Tuer l'usurpateur du champion. Parfait. Bon bah les gars, c'est parti. On a un petit boss pour clôturer ça, donc c'est plutôt pas mal. Oh. Voilà, écrase. T'as encore un truc de vigueur, ça me saoule. Bon, et ben là, je crois qu'on a clôturé ça. Ah, il me reste encore un truc là-bas. Ah, voilà, la sortie express. Pour pas avoir à tout se retaper. Ça a marché. Ben voilà, parfait. Super. On
on a libéré Tenmore Hulk. Donc dans ce cas-là, ah ouais bah attendez, déjà j'ai point champion à dépenser. Le seigneur, on va aller voir c'était quoi que j'ai augmenté. Ah ouais c'est ça, spécialisation arme lourde. Alors pour information, les champions, je vais faire un petit tutoriel dessus, enfin les points de champion pour vous expliquer pourquoi, comment, de quoi, enfin qu'est-ce que ça fait, etc. En détail, donc ça sortira bientôt, je sais pas exactement quand. Après les grandes vacances, je pense, enfin dès début septembre. Il y a moyen. Enfin voilà. Du coup, on va aller là, je pense. Allez. Je pense qu'on va réussir à rencontrer quelques boss sur le chemin. Peut-être un donjon solo. Ce serait plutôt cool. Plutôt gang. Oula non, là c'est ennemi. Toujours rien. Putain. Reste par là. Une ville. On va aller à l'hôtel de résurrection, enfin de téléportation on peut dire pour les moins pessimistes. Et là-bas, parfait, il y a un boss solo. Allons-y. Oh putain. Là je suis pas sûr de pouvoir la faire en saut. Ah bah parfait, voilà. Des compagnons d'infortune. Bon, de toute façon je suis généralement tout seul pour les boss comme ça. Hein. Toujours quelqu'un en général à côté. Hein. Vive les méga serveurs. Bâton, tac. Oh mon calcium magique. Oh putain, ça peut être pas mal. Alors, Kezako. Ouah, ouais. Ouais, mais d'autre côté, celui-là, c'est la santé. Ça, c'est la magie. Hein. Que faire? Je pense que je vais mettre celui-là. Moi, bon, elle a de l'allure aussi. Hein. Bon, bah voilà, du coup, ça c'est fait. J'adore faire les boss comme ça. Vu que je kiffe explorer, bah, de temps en temps je tombe sur des boss et c'est cool. Ou même les donjons solo, je trouve qu'ils sont plutôt bien foutus. C'est pas trop redondant, des fois il y a des trucs un peu spéciaux. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce donc? Bah ma foi. On peut faire celle-là, non?
Allons-y. Ce n'est plus feu fort. Sauver les voyageurs. Il y a des touristes ici. C'est comment qu'on les libère du coup? Ah ok. Ça fait deux de délivrés. Parfait, un coupin. Putain, on drop des trucs sur les petits follets là. Bon, j'avoue, je spam, hein. Je spam la technique, mais bon, en même temps, c'est la meilleure technique du Templier, à mon avis. J'essaye de me spécialiser Courroux de l'Aube là, mais enfin, sur faire une barre de compétences Courroux de l'Aube parce que j'en ai un peu marre des compétences Edric. Mais c'est pas simple, parce que c'est vrai que tout ce qui est lance Edric, etc., c'est vrai que c'est surcheaté par rapport au truc Courroux de l'Aube, mais après, il me semble que la dernière technique de Courroux de l'Aube, je sais plus elle s'appelle comment. Attendez. Il me semble que celle-là. Ah bah putain, je l'ai. Les branches s'écartent. Je Ouais, donc suis ça, apparemment, c'est une tuerie. Super, on va pouvoir tester ça ensemble. J'achète. Apparemment, c'est surpuissant. Bon allez, il me faut un cobaye. Bon, dur, on va aller parler. Parfait. Ah waouh, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Ça a l'air plutôt pas mal du tout. Je te suis, c'est le ton automatique. Vous êtes loin de chez vous. Reposez-vous à présent. Pourquoi résistez-vous? Je vous offre la paix. Biatch. Qui es-tu? Bon, eh bien, allons-y. De l'Altmer. Bon, voilà, c'est bon. Trouver, paquetage, examiner. Ok. Attends, je déteste les quêtes comme ça, là, moi j'ai de l'action. Parler à Varenderil.
je suis venu dans ce lieu saint pour apprendre, pas pour me battre avec des voleurs de seconde zone. Je vais signaler votre présence à Xijaïti. Bien sûr, j'aurais dû m'y attendre. Dites à la généreuse Xijaïti qu'elle n'a rien à craindre. Mon travail ne menace pas les Argoniens. C'est personnel. Ma femme. Je parle de ma femme. Elle était mon épouse, oui. Ok, d'accord. Bien sûr que oui. Je suis l'épouse de Val. Encore de la marche. Récupérer le couvercle cassé. Le voilà. Récupérer, hop. Ouais, vraiment vraiment pas mal cette technique hein. Très bien, et ben on va finir sur ça. C'est comme ça, ça sera une bonne petite vidéo. Et on aura un peu XP ensemble, donc c'est plutôt cool. J'ai jamais fait encore de vidéo XP, j'ai fait vite fait une drôle. Enfin, j'ai fait du coup la vidéo de la fin du jeu, enfin de la fin de l'aventure. Mais sinon, bon voilà, j'ai pas trop fait de vidéo. Et un didacticiel, c'est tout quoi. Du coup, je profite de l'occasion, là je suis vétéran 2, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une petite vidéo et montrer où est-ce que j'en suis maintenant. Vous, un étranger. Je ne comprends pas. Elle a peut-être oublié certains détails. Quoi ? Très bien. Parfois, ce que je vois n'est pas vraiment possible. Allez, on y va. Oh, il l'a tué, il est sérieux là? Putain, bon, ouais, j'ai plus qu'à attendre. Hein.
L'enfoiré. Ah, on y voit plus clair avec cette technique. Petit bug d'instance peut-être. Parfait. Quel est cet endroit? Oh Dieu, qu'est-ce que c'est? Génial, je l'ai tué. Ouais, c'était plutôt vite fait, je m'attendais à avoir un élite en face de moi, mais même pas. C'était un mob lambda. Voilà, sympa cette... Je vais bientôt pouvoir la mettre. Bon, et bah notre vidéo s'achève ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était super cool d'XP de vous montrer comment, enfin, Vétéran 2, ce que ça donnait pour ceux qui sont pas encore à ce niveau-là. Et puis, bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à aller liker ma page Facebook, à aller vous abonner sur Twitter, et à suivre mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tout le monde.